Hello, hello, les signes de feu, on se retrouve pour votre guidance sentimentale pour cet été 2022. J'espère que tout le monde va bien et je suis très heureuse de vous retrouver. Je me suis absentée hein, pendant un petit moment, je suis tombée enceinte et donc du coup je me suis arrêtée pendant 6 mois. Et là j'essaie de reprendre tout doucement. Voilà, très enceinte de 7 mois maintenant. J'ai décidé de regrouper hein, les signes par éléments. Donc là, on est sur les signes de feu. Il y a les signes d'eau, les signes d'air, les signes de terre. Et puis de regrouper sur des saisons. Voilà, pour me faciliter un petit peu la tâche. Voilà, essayer de continuer quand même à poster quelques vidéos. Voilà, donc merci beaucoup d'être avec moi. Alors mes chers amis, voilà, donc cette guidance s'adresse à toutes les personnes qui sont du signe du Bélier, ou alors du signe du Lion, ou du signe du Sagittaire, ou qui ont un ascendant dans ce signe. On va aller retourner les cartes. Donc on a le tarot Shozen, on a un message avec l'oracle de Gaïa que j'ai tiré, on a un message avec l'oracle des anges gardiens. Et on prendra quelques messages avec les anges de l'amour à la fin. Ok? Donc c'est parti, guidance sentimentale qui s'adresse à toutes sortes de situations, que vous soyez en couple ou pas, peu importe, vous l'adaptez à votre situation. Et puis ça peut être aussi, eh bien, pour les personnes qui ne sont pas forcément dans une relation amoureuse, ça peut s'adresser à simplement quelqu'un que vous aimez particulièrement, quelqu'un de votre famille, etc. Cette guidance peut parler de cette relation. Alors, on commence avec la carte de où en est votre relation à l'heure d'aujourd'hui. On est tout début juin. Alors, j'ai tiré le mental, le valet des nuages. Ok, donc on y reviendra tout à l'heure. Bon, déjà, c'est une carte du mental. Donc, il y a une situation qu'on mentalise beaucoup apparemment ici, les signes de feu. Alors, dans vos énergies à vous, puisque de ce côté-là, c'est la description de vos énergies. Sauf si c'est inversé, comme vous savez que des fois, eh bien, ça peut s'inverser. Donc, bon, alors, là, on a la 8 de feu, justement, le voyage. Bon, alors, voilà, il y en a peut-être qui vont voyager cet été. Alors, la deuxième énergie pour vous, on a le cavalier d'eau, la confiance. Donc, très jolie carte. Et on a en dernière énergie la 10 d'arc-en-ciel, nous sommes le monde. Donc voilà pour votre tirage à vous, les signes de feu. On va regarder pour la personne qui est concernée ce qu'elle a, elle, comme énergie. Alors en première carte, on a la 9 d'eau, la paresse. En deuxième énergie, on a la 2 d'eau, l'amitié. Et enfin, en troisième carte, on a la 10 des nuages, la renaissance. Et j'avais une autre carte qui était tombée, donc je l'ai mise au-dessus. En même temps que la renaissance, on avait eu la 6 d'arc-en-ciel, le compromis. Donc je la mets par là. On verra comment elle peut venir résonner ou compléter un petit peu ces cartes. En carte de direction, on ira voir tout à l'heure. On garde un petit peu le suspense. Alors, on va aller décrire un peu ce jeu. Déjà, il n'y a pas d'arcane majeur. Et sinon, de manière générale, on a un peu toutes les couleurs. Toutes les familles sont là, sont représentées. Alors, avec le mental, ce petit valet ici des nuages, comme son nom l'indique, il y a une hyper-mentalisation de la relation. Des prises de tête, peut-être par rapport à d'autres situations d'ailleurs qui ne concernent peut-être pas directement la relation, mais en tout cas, eh bien, malheureusement, ça influence quand même la qualité de ce qui vous réunit. On a un personnage dont la tête, dont le cerveau est complètement déconstruit, qui ne voit rien et voyez, ça fume au-dessus de sa tête. Donc c'est un peu la cocotte minute. La cocotte minute ici avec la personne qui est concernée. Donc, d'une manière ou d'une autre, cette relation vous échauffe la tête.
Alors, on va continuer à décrypter le tirage. Donc, dans vos énergies à vous, si on dit que vous, vous êtes ici, hein, alors si jamais ce que je dis, ça correspond plus à la personne à laquelle vous pensez, il n'y a pas de souci, c'est juste qu'elle s'est retrouvée là et que vous, vous vous êtes retrouvée là à partir du moment où cette description, elle vous correspond davantage. Ça peut arriver que ce soit inversé, ok? Je le précise à chaque fois, ne soyez pas surpris, ça peut arriver, ça ne change rien. Voilà, on part du principe que vous, c'est ici. Alors, là, 8 de feu, le voyage. Donc, il est fort possible qu'avec cet été, hein, entre juin, juillet et août, vous entrepreniez un voyage en lien avec une vie sentimentale, relationnelle, peut-être amoureuse, affective. Donc, comme son nom l'indique, n'est-ce pas, on part voyager, hein, que ce soit sur un mois, 2 semaines, un week-end, n'importe, c'est peut-être partir en vacances, etc., avec cette personne, ou aller la rejoindre, ou alors, eh bien, il peut se passer quelque chose pendant ce voyage. C'est la première carte, ça donne vraiment le ton, donc vous êtes, à mon avis, déjà dans les préparatifs, vous êtes déjà en train d'y penser, vous êtes déjà concentré sur ce voyage. Ce voyage, il peut faire naître des petites craintes, des petites peurs, plus ou moins petites, qui sont représentées par justement les nuages qu'on voit. Il y a cette idée justement qu'on ne sait pas du tout de quoi sera fait ce voyage. Ça peut très bien se passer, ça peut moyennement se passer, il y aura peut-être tout un tas de situations qu'on ne peut pas contrôler, auxquelles on n'a pas pensé, auxquelles il va falloir s'adapter, faire face. Donc ça peut toujours faire un peu peur, hein, de partir à l'étranger, de partir pour l'inconnu. Mais cette carte, elle vous dit d'y aller de toute façon, hein, d'aller voir ce que ce voyage vous réserve. Et c'est très joli parce que juste derrière, on a justement ce grand saut dans l'inconnu. On a la confiance et donc du coup, le tarot, eh bien ici, il vous invite à y aller justement et à faire confiance en fait à l'univers, à faire confiance à ce projet que vous avez et il dit quelque part que vous saurez surfer sur la vague. Que vous voyez comme ce personnage qui s'est mis à voler sans le savoir, hein, il ne savait pas forcément qu'il allait voler, et bien il a pris ce risque de se lancer. Et donc vous c'est pareil, on vous dit de toute façon vous trouverez, tu trouveras les moyens que ça se passe bien, etc. Aie confiance en toi aussi, hein, donc c'est ça, ayez confiance en vous, en votre capacité à peut-être réaliser vos rêves, à faire ce voyage, à le vivre. Et à faire face à tout ce qui se présentera, etc., de la meilleure manière qui soit pour que vous puissiez aussi kiffer, en fait, hein, prendre du plaisir, parce que c'est un kiff, hein, de voler comme ça, là, d'une certaine manière, hein, ce personnage, il s'éclate, en fait, hein, à planer. Et donc, du coup, voilà, donc ayez confiance dans ce que vous allez entreprendre, là, cet été, vraiment garder la foi, hein, que ça va aller, que ça va bien se passer. Qu'il y a des paramètres que vous ne pouvez pas contrôler, mais que vous avez confiance, ça ira. Donc, de très jolies cartes ici. Hein. Et en dernière énergie, on a la 10 d'arc-en-ciel, nous sommes le monde. Donc moi, j'aime beaucoup votre tirage, hein, parce qu'il est super joli, il y a quasiment que des jolies cartes très inspirantes. Avec ce 10 d'arc-en-ciel, on arrive sur un aboutissement. On arrive sur une espèce de fin de cycle, il y a quelque chose qui atteint une forme d'apogée, peut-être que justement on va enfin réaliser quelque chose d'important, etc., de grand, quelque chose voilà, qui nous marque, hein, qui va marquer notre histoire. Et c'est la fin justement d'un cycle et ça va permettre la naissance d'autre chose. Vous voyez cette carte, eh bien, elle est très belle, c'est la Terre et autour de laquelle sont réunies, se tiennent la main, tout plein de personnes de toutes les couleurs. Toute couleur, toute couleur. Et donc, du coup, il y a cette idée aussi très belle de construire ensemble le monde de demain. Ça peut nous parler, par exemple, d'associations, de communautés. On pourrait imaginer que vous partez faire un voyage à la rencontre, peut-être, d'une association dans laquelle vous êtes inscrite, ou d'un projet, n'importe quoi, d'un projet humanitaire, n'importe quel projet qui vous tient à cœur depuis peut-être longtemps, etc. Et du coup, ça y est, ça aboutit, vous y allez. Alors, avec évidemment une grande part d'inconnu et une part qui peut être un peu angoissée et tout. Puis, il y a cette espèce de confiance que vous allez réaliser quelque chose de grand, de beau qui va vous porter
Et ce projet, vous le portez à plusieurs. Hein? Vous n'êtes pas seul, en fait, dans ce projet, les feux-là, qui partent vivre cette aventure. Vous êtes plusieurs et vous allez sûrement vous retrouver à la sortie de l'avion, etc., avec ces personnes pour se tenir la main de manière symbolique, pour collaborer, pour partager, construire ensemble un monde meilleur. C'est pareil, c'est symbolique, un monde meilleur. C'est voilà, quelque chose, un projet qui vous porte, qui vous habite et qui vole haut, justement, comme la confiance et tout, ça vole haut ce projet. C'est un beau projet. Ça parle d'écologie en fait, par exemple, cette carte. On prend soin de la terre, donc ça peut être une association écologique, ça peut être partir faire du woofing dans une ferme, enfin je ne sais pas. Il y a plein de choses, mais il y a prendre soin de la terre mère Gaïa et il y a le faire avec d'autres personnes qui partagent les mêmes valeurs que nous. Ça peut aussi nous parler d'une famille, par exemple, de voilà, œuvrer pour la construction d'une famille, aller retrouver une famille qu'on n'a pas vue depuis longtemps, etc. Des cousins, des parents éloignés, je ne sais pas. Enfin, il y a des choses, vous voyez, de même valeur, etc. Ces gens, on a des valeurs communes, il y a quelque chose à faire avec eux qui va loin. Donc, vous le placerez en fonction de là où ça résonne avec ce que vous allez vivre. N'est-ce pas? En tout cas, c'est très joli. Et vraiment, 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 j'aimerais bien vivre aussi ce que vous allez vivre là. Ça a l'air d'être une grande et belle aventure. Donc voilà. Donc vraiment super sympa. Alors en face, on a complètement autre chose, n'est-ce pas? On a deux énergies d'eau pour commencer. La 9 et la 2. Alors on a, pour commencer, la paresse. Alors, ça contrebalance quand même pas mal avec vos énergies à vous, vous lancez dans quelque chose. La personne en face, on a l'impression que justement, elle fait le contraire, peut-être juste pour vous contrarier. Elle ne bouge pas du tout. Il y a ce côté paresse, ce côté flemme, ce côté, bah, je préfère rester devant la télé, moi là, hein, plutôt que d'aller, je ne sais pas faire quelle démarche, etc. Ou... Voilà, je suis bien calée là dans mon canapé, j'ai vraiment pas envie de bouger. Voilà, il y a de la flemme, il y a une espèce de flemme, il y a une espèce de, voilà, je me repose un peu sur mes acquis pour l'instant. Hein, bon, alors, c'est un numéro 9, etc. Donc, ça va pas durer cet état-là de flemme, hein, évidemment, ça n'est que temporaire. À un moment ou à un autre, on va se remettre quand même dans l'action, on va se remettre quand même à avancer, ne serait-ce parce qu'en fait, au bout d'un moment, on s'ennuie un peu quand même. Il va falloir que ça bouge ou la vie va faire que ça bouge, enfin voilà. Mais c'est vrai qu'à ce moment-là, on a quand même quelqu'un en face qui ne fait pas trop d'efforts, qui est un peu paresseux et ça peut mettre une énergie plan-plan, un peu down, à côté de quelqu'un qui aurait plutôt tendance à être dans l'action, de faire des trucs. C'est bon, c'est. Voilà, ça crée un décalage, évidemment. À côté, on a la 2 d'eau. C'est l'amitié. Dans une guidance sentimentale, amoureuse et affective, pour moi, ça parle quand même toujours d'amitié, du coup. Cette personne, du coup, eh bien, elle se positionnerait peut-être plutôt comme un ami, comme une amie. Il peut y avoir, hein, évidemment, aussi une certaine forme de paresse. Hein, dans ce lien d'amitié, peut-être quelqu'un qui ne le nourrit plus beaucoup, quelqu'un voilà, qui ne donne plus beaucoup de lui dans une relation amicale, etc. Il faut voir comment ça peut se relier avec cette paresse qui est là. Alors après, bon, c'est plutôt une carte positive quand même, l'amitié. Hein, en général, c'est quand même quelqu'un sur qui on peut compter, c'est comme un frère, une sœur d'âme. Dans le sens où voilà, on se correspond, on s'entraide, les conseils qu'il me donne ou qu'elle me donne me sont précieux, son énergie me fait du bien, sa présence, etc. Donc ici, on a quand même une belle amitié ici, qui se propose. C'est aussi que, bon, a priori, ça nous parle plutôt voilà, d'une relation d'amitié plutôt qu'une relation amoureuse. Bien qu'il y ait une forme de paresse à passer au stade supérieur, que ce soit dans une relation amoureuse ou amicale, même dans une relation amicale, hein,
Il y a une espèce de, voilà, de paresse dans cette relation-là, qui pourtant a l'air d'être une belle relation. On a toujours besoin d'avoir des amis, des bons amis qui nous connaissent bien, etc. C'est très important. Et en dernière carte, on a eu la 10 des nuages, la renaissance. Et donc, du coup, on revient sur la famille des nuages, comme on avait avec le mental tout à l'heure. En fait, du coup, cette personne, on l'invite quand même à transformer quelque chose dans sa vie. C'est comme si ça disait, il y a quand même quelque chose qui doit changer. Il y a quand même quelque chose, tu dois laisser une ancienne peau, tu dois laisser une ancienne manière de fonctionner. Il faut renaître de tes cendres, il faut renaître dans ta vie relationnelle, en fait. Tu ne peux pas rester dans tes petits chaussons comme ça. Voilà, tu n'es pas dans le coup, t'es pas dans le coup quand ton ami a besoin de toi, etc. Tu es peut-être un fidèle en amitié, etc. Enfin, et donc en fait, il y a une renaissance ici. On voit un dromadaire ou un chameau ici, tout gris. Et en fait, vous voyez, il y a un petit génie qui joue de la flûte. Et ce chameau, il se transforme en lion. Et donc, vous voyez, il y a, voilà, on retrouve des couleurs, on retrouve une énergie, on sort d'une forme d'apathie, on sort d'une forme de quelque chose qui était dans la grisouille, qui n'était pas dans la couleur, qui était un peu triste, un peu morose, dépourvu un peu de substance vitale. Et donc, on tire comme ça avec ce petit génie, on tire les énergies vers le haut pour qu'il y ait à nouveau de la vie, pour que ça s'anime, pour qu'il y ait de la chaleur qui passe, et que, eh bien, ce personnage un peu paresseux puisse se transformer en un personnage qui revient peut-être dans l'action, qui sort un peu de ses émotions ici, là, où on baigne un petit peu dans ses émotions, une forme de complaisance, et on essaie de le tirer vers quelque chose d'autre, hein, voilà, avec un peu plus de pêche. Alors il y a le compromis qui est sorti, la 6 d'arc-en-ciel. Il y a peut-être des compromis à faire, peut-être cette personne, hein, elle doit faire des compromis avec elle-même dans ces cas-là. Bon, c'est pas toujours évident non plus de devoir. Ça ne veut pas dire se dissocier, mais ça veut dire qu'il y a toujours une partie de nous qui est un petit peu frustrée ou qui fait les choses pour faire plaisir ou par obligation et tout ça. Et des fois, c'est un peu un passage obligé, et surtout quand on vit avec d'autres personnes, qu'on a des frères, des sœurs, qu'on est en famille et tout, on doit des fois voilà, accepter, hein, un peu les compromis. Il faut voir où ça se place, hein. Alors évidemment, il ne faut pas aller jusqu'à se renier soi-même et aller contre, évidemment, nous. Mais il y a cette notion de compromis qui est là, par laquelle passe le personnage, voir à quel endroit elle peut faire des compromis, cette personne, pour que, bah, tout le monde s'y retrouve aussi, hein, et que les choses puissent se transformer et renaître dans un nouveau cycle, hein, dans de nouvelles énergies derrière. Bon, vous verrez bien comment tout ça résonne, ça reste extrêmement large, extrêmement général, je ne peux pas rentrer trop dans les détails non plus. Avec cette guidance-là, il faut qu'on continue. On va aller voir la carte de direction. Ah, j'ai tiré le silence, la numéro 17. Bah voilà une arcane majeure. Voilà, c'est la seule, hein, de votre tirage. C'est une très belle carte. Elle parle. Bon, j'ai l'impression que tout votre tirage est un peu sous le signe du silence aussi. On parle pas beaucoup, peut-être, de ce qu'on ressent. On est un peu voilà, dans notre chemin, etc. Bon, et là, ça revient un peu, c'est un peu ce côté, voilà, il y aura peut-être pas énormément de communication entre vous, etc. Mais c'est peut-être pas non plus un problème. Peut-être que c'est bien aussi, hein, pendant un certain temps, de garder un petit peu les choses pour soi, à l'intérieur, pour bien. Comme ce personnage, vous voyez, qui semble méditer, c'est très beau, hein. C'est un personnage, hein, parce qu'il y a un visage qui se dessine, et en même temps, c'est un paysage. Et donc, du coup, on se fond un peu comme ça dans l'univers, on va chercher un petit peu une connexion spirituelle, etc.
On médite, ou alors à travers nos voyages, ou nos rêves, ou nos siestes, etc. On trouve une forme d'apaisement, on arrive à relâcher la pression, on arrive à trouver une forme de sérénité. Et donc du coup, cette carte, elle ramène quand même beaucoup de sérénité, de calme, hein, de tempérance dans votre relation. On n'est plus du tout sur une énergie du mental agitée, on est dans quelque chose au contraire d'assez zen. Voilà, ça s'agite pas dans tous les sens, ça fait un peu la paix. Voilà, donc il n'y a pas besoin de trop parler, il y a plutôt besoin, voilà, d'être dans cette forme de sérénité, exactement comme ce personnage ici, hein, qui représente le paysage à la pleine lune. Et donc du coup aussi, n'hésitez pas à profiter, hein, de ces instants, à tout ce qui peut vous relier aussi à la lune, etc. Dans ces moments-là, hein, ça pourra vous être bénéfique pour vous, les amis feux, pour cet été. C'est une carte qui me fait aussi penser à de l'eau, bizarrement, parce qu'on a comme un reflet. Donc peut-être, hein, d'aller méditer ou d'aller au bord d'un lac ou d'une rivière ou de la mer. Un soir de pleine lune, etc. Trouvez, vous connectez à une forme de paix, de sérénité, qui va influencer votre vie sentimentale et lui apporter une forme de douceur, etc. Donc voilà un peu ce qu'on peut dire avec le tarot Shosen pour cet été au niveau sentimental, etc. Donc c'est plutôt intéressant. Alors on va continuer, on va aller voir ce que Gaïa a à vous transmettre comme message. Alors, j'ai tiré le cadeau secret, la numéro 9. On a un nouveau départ. On a aussi une forme de tristesse. On a un dénouement. Donc, on voit un ange, en fait, il a des ailes, hein, ce personnage ici. Donc, on va voir un petit peu un nouveau départ. Alors, ça oui, hein. Ça, oui, vous avez deux 10, hein, d'un côté comme de l'autre, et tout ça, il y a cette nouvelle aventure, etc. Bon, on sait bien que quand on part quelque part, on laisse quelque chose, hein, ou quelqu'un, évidemment. Il y a un cadeau secret à travers cette expérience de vie actuelle, comme on pourrait dire les bénédictions cachées derrière les situations qui, d'apparence, nous font traverser une forme de douleur, de tristesse, de souffrance, de renoncement, etc. L'ange présenté sur cette carte reflète la tristesse que vous ressentez actuellement ou que vous éprouverez dans les semaines à venir. Quelque chose qui vous est cher a pris ou prendra bientôt fin. Il est dans la nature humaine d'avoir peur du changement et de ressentir de la tristesse quand quelque chose auquel nous sommes attachés se termine. Toutefois, cette carte a un aspect positif et vous rappelle que toute fin annonce un nouveau début. C'est une loi de la nature, rien ne se perd et tout se transforme. Un nouveau départ se profile pour vous, plus clair et plus brillant que jamais, et un cadeau secret est attaché à ce renouveau. Le moment venu, vous recevrez un don précieux sous forme de bonnes nouvelles, d'une révélation ou d'un tour inattendu des événements. Quoi que ce soit, cela réchauffera votre cœur et vous remplira de joie. En attendant, prenez conscience de l'amour qui vous entoure. Permettez-lui de pénétrer votre cœur et ayez confiance. L'univers dispose les choses pour votre plus grand bien. Voilà, donc on peut tout imaginer. On pourrait très bien imaginer que, eh bien voilà, vous décidez de rester amis, patati patata, et que ce n'est pas forcément facile, et que pour ce faire, vous faites un voyage aussi pour passer un peu à autre chose, et qu'il peut y avoir une forme de tristesse et tout, mais que c'est un nouveau départ. Et que vous serez récompensé quelque part, hein, puisque ben, l'univers aussi s'engage avec vous là-dedans et vous accompagne comme si c'était la chose à faire. En effet, donc ayez confiance, vous aviez la confiance, et puis on vous le redit. D'une manière ou d'une autre, il y aura une forme de bonne nouvelle, un don précieux, une révélation, quelque chose qui va vous ramener dans le fait de vous réconforter, vous faire savoir que c'était la bonne chose à faire. Alors, les affirmations positives, j'ai confiance en ce qui se prépare pour mon bien. Mon cœur est rempli d'amour et de lumière. Je rends grâce pour les bienfaits que j'ai reçus. Toute fin annonce un nouveau début. Tout vit éternellement dans mon cœur. Donc, il y a cette notion de renaissance, etc., comme on a déjà vu. Donc vraiment,
Rien ne se perd, tout se transforme, et ça c'est bien vrai. Donc voilà, hein. Affaire à suivre. Alors, le petit message des anges gardiens pour vous. J'ai tiré la gratitude, merci. Alors, voici le cœur reconnaissant d'une personne que tu as récemment aidée, d'une manière ou d'une autre. Moi, ton ange gardien, je veux également te remercier pour l'amour inconditionnel qui émane de toi envers la terre. L'humanité et tout ce qui vibre autour de toi, merci, merci, merci. Tu es béni pour l'éternité. Puisse la paix, la grâce et l'amour te guider tout au long de ton chemin sacré. C'est vraiment magnifique. Ça me rappelle un peu la carte de Nous sommes le monde. Et là, vraiment, c'est comme si la terre, l'univers, vos anges le savaient et vous le disaient. Voilà, on sait combien tu es une bonne personne, combien tu es belle, combien tu prends soin des gens, de l'humanité, etc. Et on te dit merci. Alors vraiment, vous pouvez vous sentir vraiment enveloppé d'amour. Puis ça s'était revenu aussi dans cette carte-là. L'impression que vous êtes quand même très bien accompagné et qu'en fait, eh bien, ce que vous faites, on vous dit merci. Donc c'est assez magnifique. Donc il y a des choses hein, de cet ordre-là hein, qui vous guident sur votre chemin sacré à mille feux. Donc c'est une belle guidance, il y a plein de messages, hein. Vous prenez vraiment en fonction de comment ça vous parle, comment ça vient fusionner avec ce que vous vivez. On va prendre quelques messages avec les anges de l'amour pour nos chers amis feu, les lions, les béliers, les sagittaires pour la vie sentimentale de cet été. Hein, alors voilà, quels sont les messages des anges de l'amour pour cet été, pour ces signes-là qui sont concernés par la guidance. Donc, je vous rappelle évidemment que vous pouvez me demander une consultation privée. J'ai mis mon adresse mail dans la barre de description. Vous pouvez me contacter si vous avez besoin, si vous avez envie pour une consultation privée, puisque ça reste très général. Ici, j'ai laissez une chance à votre relation, travaillez sur votre couple. Vous verrez bien, ça ne s'adresse pas forcément à tout le monde, bien entendu. Hein, c'est vraiment là, c'est très particulier. Hein, c'est pour les personnes qui sont en couple, c'est pour les personnes qui sont dans une relation où ils se demandent vraiment si il faut continuer ou pas, etc. Donc, vous saurez instinctivement s'il faut laisser une chance et de quelle manière. C'est des choses qui peuvent aussi s'inscrire dans le temps. Il peut y avoir besoin de prendre du recul, il peut y avoir besoin. Des fois, il y a des relations qui prennent du temps. Alors, quoi d'autre pour les personnes concernées? Alors, nous avons l'espièglerie, très jolie carte ici. Pour retrouver l'amour, permettez à l'esprit espiègle et enfantin qui est en vous de se manifester. Donc évidemment, on vous invite, on vous demande d'être léger cet été et de ne pas prendre tout de suite les choses au sérieux, de ne pas forcément être tout de suite dans un truc hyper sérieux, mais plutôt de rester un peu espiègle et de jouer, de flirter, d'être très léger et plein de malice, etc., plein d'espièglerie. C'est cette âme d'enfant, en fait, qui est à l'intérieur de chacun de nous, qui ici est sollicitée. On vous demande eh bien, de laisser une grande place à cet enfant intérieur cet été. C'est de cette manière que vous allez peut-être retrouver l'amour ou attirer quelqu'un qui vous correspond davantage. Donc, voilà. Pas être trop, trop sérieux et rire, jouer, s'amuser, être dans ce rapport-là au monde pour cet été. Alors, quoi d'autre? On va prendre une dernière carte. Pour les amis feu, nous avons l'amour véritable. Pareil pour les personnes qui sont concernées par une vie amoureuse quand même, on va dire, active. Voici l'amour de votre vie, donc un amour vrai peut-être, qui est là, donc
attention à la personne qui s'en vient. Il est possible qu'il y ait un amour véritable dans l'air. Évidemment, faut pas le louper. Faut pas passer à côté. Exercez votre discernement pour savoir de quel genre d'amour il s'agit ici pour les personnes qui sont concernées. Donc, cette personne, vous la connaissez, vous allez la rencontrer, etc. Elle peut ne pas correspondre hein, physiquement ou je ne sais pas à certains critères, mais essayez d'évaluer la nature, la consistance du lien amoureux qui est là et s'il y a confiance, fidélité, enfin je veux dire bon des choses qui en tout cas selon moi hein, sont des valeurs eh bien, pour un amour vrai, eh bien vous le saurez. Eh bien voilà, bah écoutez, on a terminé la guidance pour les signes de feu pour cet été, juin, juillet, août. Merci beaucoup d'être avec moi. N'hésitez pas à liker la vidéo ou à vous abonner hein, ou à m'écrire, à laisser un petit commentaire. Et bien entendu, faites tourner cette vidéo. S'il y a des personnes du signe de feu ou de ascendant feu que vous sentez que ça leur parle, ça pourrait leur correspondre, ça peut les aider, vous pouvez leur envoyer. Eh bien, on se retrouve bientôt, hein, les amis. Je vous souhaite un très très bel été. Encore une fois, un bon anniversaire à tous les lions. Et puis, comme je disais dans votre guidance générale aussi, ça va pulser pour les signes de feu, notamment pour les béliers, les sagittaires et tout, puisque vous avez des planètes, hein, Jupiter, hein, qui est dans le signe bélier, pendant un certain temps, pendant plusieurs mois. Et j'ai re-regardé, j'ai eu aussi. Je me demandais, mais non, il y a bien Mars qui est juste là aussi. Donc, c'est assez péchu. Donc, des nouveaux départs, oui, en effet, il y a des choses qui s'arrêtent, d'autres qui vont commencer. Il y a toute cette phase-là. Mais il y a aussi beaucoup d'exaltation. Et il y a Jupiter, donc il peut y avoir des belles rencontres, il peut y avoir des belles opportunités. Ce n'est pas forcément tout de suite l'homme de votre vie. Mais ça peut être des occasions de rencontres, etc., qui vont être importantes sur votre chemin de vie et qui peuvent vous amener vers d'autres rencontres, vers d'autres aventures, vers d'autres expériences très, très, très positives pour vous et même pour le futur. Donc voilà, vraiment, je vous souhaite tout le meilleur pour cet été. Restez positif, plein de belles choses, beau voyage pour ceux qui y vont, avec confiance. Et je vous embrasse très fort et on se dit à très vite. Gros bisous, portez-vous bien. Ciao, ciao!